dans le défi de compte 2. Oh, le chiffre 4, putain. Oh, le chiffre 4, Francis. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale les amis. Ce matin on a YouTube Brawl Stars, si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la checker pour venir là après. Nouvelle vidéo Clash Royale où on va aller découvrir ensemble ce shop du dimanche. On va également aller jouer ensemble ce défi du tirage 2 contre 2 pour aller débloquer cette première récompense, un coffre en or. À savoir que je serai également en live ce soir pour la fin de ce défi, donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou ce soir aux alentours de 21h. Ce qu'on va faire, mes petites tweets, c'est attaquer tout de suite avec l'ouverture de ces petits coffres gratuits, coffre en argent, ensuite on enchaînera avec le shop, j'allais dire coffre en or, non pas du tout, le shop, puis du gameplay les amis, c'est parti, on s'échauffe les nageoires, let's go. On s'échauffe les nageoires sur les coffres en argent parce que pour moi, j'ai plus de probabilité d'avoir une légendaire dans le coffre en bois. Bon, voilà, c'est dans la tête, c'est comme ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, tiens, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir une légendaire dans le coffre en argent, dans un coffre en bois? Voilà, faites-moi péter ça, il y a une petite vignette qui apparaît là, voilà, on se fait un petit sondage comme ça, pas piquer des hannetons, et let's go, on va attaquer le pack opening. Allez, pour l'instant ça paye pas, hein. Ça paye pas, allez, faut que ça paye là, hein. Allez, le payage d'une vie, à savoir que derrière on aura également d'autres coffres, vu qu'on va aller chercher des couronnes dans le défi de compte 2. Oh, le chiffre 4, putain. Oh, le chiffre 4, Francis. Le chiffre 4, c'est dur. Alors là, si on n'a pas de gemmes et qu'on a des cartes directes, c'est l'âge légendaire garanti, les amis. Garanti à 100%. Ok, on a déjà. Ok, donc là, le suspense redescend un peu. Là, on va avoir les rares. Voilà, un cochon. Ok, donc là les gars, putain mais quand j'ai la pression. Le chiffre 4, oh my god quoi. Non mais c'est ouf quoi. C'est ouf le nombre de fois que ça m'arrive. Mais est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas? Je vais vous dire un petit sondage encore là. Vous votez, est-ce que tu sens la légendaire? Tu triches pas, hein. Tu mets pause, tu votes. Ça te prend deux petites secondes, oui ou non. Bon allez les amis, on va arrêter le suspense. On y va, vous êtes chaud, les tambours. 3, 2, 1. Ah, ça clignote pas. Donc ça veut dire que c'est une épique les amis. Un bourreau, putain, ça aurait été tellement magique d'aller chercher cette petite sorcière de nuit qu'on n'a toujours pas débloqué. Oui, oui, je sais, je suis le dernier à pas l'avoir débloqué. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, moi je préfère prendre mon temps et comme ça quand je l'aurai, je vais bien savourer et je vais kiffer. Contrairement à vous là, déjà vous en avez marre de la sorcière. À vous, t'en as marre. Allez, ouverture du shop. Sans commentaire, le shop du dimanche, c'est vraiment le shop où on a le plus de chances d'aller chercher une légendaire, surtout celle qui nous manque. Et ben le dimanche épique, ben dimanche épique, mon cul, hein, dimanche épique, rien du tout. Dimanche full merguez, donc ce qu'on va faire les amis, c'est attaquer le défi du tirage 2 contre 2, c'est parti. On va aller découvrir un petit peu, on va surtout aller essayer de chercher ce petit coffre en or, je l'espère qu'on le débloquera pour cette vidéo, sinon ce sera pour ce soir, et là je vais commencer par une boule de feu moi. Roquette ou mini PK? Je vais prendre le mini PK parce qu'avec le mini PK, sincèrement, on peut faire de belles choses. Alors, gobelin lance ou esprit de feu? On va prendre les esprits de feu. On va leur donner les gobelins lance. Cochon ou mineur? Sachant que j'ai le mini PK. On va prendre le cochon quand même. Parce que le cochon, il va permettre d'aller vraiment gratter la tour violemment. Oh, je vois qu'il y a les petits gardes. Ça, c'est un peu chiant. Étant donné que je joue mini PK. Mais on va voir de quoi j'ai. Oh lolo, je lui ai donné roquette. Oh lolo, non, 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 j'ai donné roquette, Francis. J'ai donné roquette, fais pas ça. Oh, il fait ça. Il fait ça, ça pue les gars. Ça pue. Voilà, la roquette qui est partie. Allez, c'est pas grave, on va construire un push de l'autre côté nous. Regarde déjà, là, il va se faire complètement des pop. On va mettre un petit jet de G ici devant, ok. Oh, la boule de feu, regardez-moi cette boule de feu les amis. Oh. Dommage que la bûche, elle prenne pas le bourreau là. Je sais pas ce qu'il a foutu le gars, mais il a été merguez là, hein. Il a été totalement merguez, mon pote. Oh, le mineur, ça s'est bien envoyé. Avec la mousquetaire, ça va gratter. Et c'est plutôt propre. Tout de suite, la mousquetaire ici en défense. Le gank. Oh, magnifique. Oh, le clonage raté. Le clonage raté, les amis. On se met très, très bien pour cette entrée partie. Alors, je vérifie que ça enregistrait bien. Tout va bien, pas de fail. Je vérifie tout le temps. Je suis parano hein, depuis pas mal de fails. Ok, la mousquetaire ici qui va être défendue. On a les petites archères derrière. Tranquille, on a le temps, on a le temps. Nous. Voilà, le petit GDG ici pour supporter un petit peu cette sorcière. Et ce petit Kirikou. Le petit Kirikou sauvage. Oh, ah, dommage, il touche Kirikou. Oh, ça place une pompe. Ah ouais, détente. Ok, le géant qui a été envoyé. Oh, là, il y a beaucoup, Francis. Voilà, la bûche, c'est pas mal. Maintenant. Allez. Oh non. Le ballon, il va prendre la tour, les amis. Ah, bien joué. Il reste... Pam.
Il reste une minute, il y a le temps d'aller la chercher, tranquille. On panique pas, nous on part à droite en attendant. Oh, bien joué, Storm et Squelette. Ils défendent bien. Deux coups de cochon à droite. Oh, il faut de l'aide. Il faut de l'aide, Francis. Oh! Oh! Il a joué les trois moumous devant. C'est pas trop mal, ça. Faut pas qu'il y ait de roquette maintenant. C'est bon, il n'y a pas de roquette maintenant. Tout de suite, le géant. Ok, la roquette à gauche. C'est pas trop un problème. Oh non! Mes esprits de feu, ils sont tombés. Là, il agresse trop. Il veut trop prendre la tour à droite et... Il panique trop! Pourquoi tu paniques comme ça, Francis? Oh là là, le clonage ici qui était terrifiant. Bien joué. Putain, on va la perdre! Sérieux, Francis, il pue la chiasse. Hein. Allez, là, il reste 12 secondes. Tu fais quoi, Francis? Oh, le géant, il est mal placé. Le bourreau, il est mal placé. Bon bah les gars, voilà ce que c'est quand on a un allié merguez. Bah allez, c'est pas grave, on se remotive les amis. On retourne à l'assaut poison. On va donner le canon. Oh, la PLS les gars, c'est dur mentalement. Je vais prendre la roquette, j'en ai marre à chaque fois. J'en ai marre, je prends... Je vais prendre le molosse. Merde, ça m'embête de donner le golem. Hein. Ça m'embête de donner le golem, hein, surtout avec un bûcheron. Il a TDE. Non mais les gars là, il lui a donné TDE, il voit pas les cartes que je prends. En plus, il a pris géant royal. Oh my god, j'ai pris un GDG, j'ai donné le golem. Mais je pense que ça pue, hein. Clairement, je pense que ça pue. Hein. On va voir comment ça va se passer. J'ai une petite fournaise, ok. J'ai une princesse. Du coup, on est sur du double princesse. Ok. Géant golem, putain. Ah, ça lance facile, cette game. Je veux le dire. Oh là là, il envoie son GR. Il voit pas que j'envoie le molosse, il envoie son GR, Francis. Allez, 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 faut nettoyer là. Ça défend bien, hein. On va placer un poison ici, ça va permettre de prendre le Kirikou, la mousquetaire, de gratter aussi. Oh, j'ai rien. Oh là là. Non mais les gars, je suis avec des merguez complets. Il va falloir que je rattrape ça tout à l'heure en live, mais ça promet. Oh, le bélier qui proque. Oh, j'ai un ballon. J'ai molosse ballon, les gars. Alors là, ça relance la donne. En plus, j'ai la roquette pour le bouliste, faut que je tempo. Et que je sois un petit peu plus concentré. Ok. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Boum. C'est bon. 4 archers pour 2 malheureux gobelins. C'est triste. Hein. On va supporter d'un petit GDG quand même ici. Parce qu'il y a pas mal d'archers. On aimerait pas qu'elles meurent comme ça. Et elles vont mourir comme ça. Alors, on va avoir le temps de gratter la tour à bombe. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la tour à bombe qui a été jouée. Je réfléchis. Je vais partir sur un molosse à droite, moi. Alors, pour l'instant, je vais temporiser. Je vais peut-être supporter ici son géant royal. On va faire ça. On va supporter son géant royal. Je partirai sur molosse à droite tout à l'heure. Ok. Ça envoie le golem. Bien joué ça. Il a raté malheureusement la TDE. On va envoyer le molosse. Oh, il y a beaucoup qui arrivent. Hein. Mais il n'y a rien avec. Il n'y a absolument rien avec. Ouais. Là, il y a. Putain, Francis. Ok, ça envoie de GR. On va envoyer le ballon. Ah, mais là, non, il faut du support en fait. Du support en troupe. On n'a pas de troupe. Oh là là. Poison, poison, poison. J'ai la roquette derrière. On va tenter le tout pour le tout ici. Faut m'aider là, Francis. Oh, mais non, on a perdu encore. Oh my god. Non, mais c'est quoi ce 2v2? Alors dites-moi si vous aussi vous avez le même problème. Là je reste très calme, je reste très très calme, on va pas s'énerver. Mais ça me dégoûte, j'ai un goût de vomi là dans la bouche. Je suis...
répugné par autant de nobitude. Alors, je dis pas forcément que j'étais meilleur, mais mon allié, clairement, a été merguez total. Donc là, on va revenir ce soir en live à 21h, aux alentours de 21h, pour essayer de remonter ça, parce que clairement, ça va être une remontada à 1-2, là, on n'est pas bien du tout. J'espère en tout cas quand même que vous avez kiffé cette vidéo. Comme vous le voyez, la sorcière de nuit, toujours pas disponible, ce défi, qui est clairement pas fait pour moi. On va voir si ce soir, ce sera fait pour moi ou pas. On se retrouve pour ma part demain. Demain sera une nouvelle vidéo de SparkX. Essayez de ne pas crier, je vous fais des gros gros bisous, et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.